Le prix littéraire 30 millions d'amis a été décerné au livre de Stefano De Guy, Histoire du lion personne, publié aux éditions du Seuil. Merci. On a même eu la joie de se battre pour ce lion. Ça a été très facile. C'est un plaisir. 30 millions d'amis d'un coup, c'est beaucoup. Donc, et merci à la Fondation, parce que c'est toujours un plaisir de voir des livres soutenus, y compris par des fondations qui ne sont pas a priori littéraires, mais qui accordent cette importance à la chose littéraire. L'histoire du lion personne, et en tant que roman pur, enfin, me paraît le meilleur. C'est un livre qui a la grâce, non seulement il est bien écrit, il mélange la réalité historique avec une histoire extrêmement touchante. C'est un livre d'une très très grande qualité qui écrit une écriture magnifique et qui en même temps fait bien comprendre à la fois ce qu'est l'animal et la relation entre l'homme et l'animal. Et le jury a aussi décidé d'instituer un nouveau prix, ce qui lui permet de donner leur place à des livres qui sont des cris du cœur ou des essais particulièrement percutants. On a décidé d'institutionnaliser chaque année de donner deux prix, un prix littéraire et un prix de la cause animale, qui nous permet finalement de récompenser à la fois une œuvre militante, et il y en a chaque année de qualité qui font avancer la cause animale. Le livre de la Borde, qui est un cri à la fois terrible et poétique, inaugure donc ce deuxième prix de la cause animale du prix 30 millions d'amis. Il a un côté militant, en plus il a une écriture poétique réellement, ce qui est quand même pas courant. Hein. Ce prix, à l'unanimité encore une fois, a été décerné à Christian Laborde pour La cause des vaches, publié aux éditions du Rocher. Là, nous sommes au prix littéraire. Vous êtes membre oui. de ce prestigieux jury. Oui, c'est vrai. Que de plus en plus prestigieux, d'ailleurs. Dites-nous ce qui vous a poussé à venir nous rejoindre et nous rendre aussi heureux de vous avoir. Au départ, c'est les animaux. Hein. C'est mon seul militantisme. Enfin, c'est un petit militantisme, mais c'est déjà pas mal. À l'arrivée, maintenant, c'est plutôt que les livres sont pas mal. Hein. La qualité augmente même.